Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne JG de Booma où je vais tenter de vous expliquer comment installer le patch Team Fusion pour Cliffs of Dover, pour IL2 Cliffs of Dover. Alors avant de passer à l'installation proprement dit, je vais faire un petit topo sur ce qu'est IL2 Cliffs of Dover et ce qu'est le patch Team Fusion. Alors pour résumer, IL2 Cliffs of Dover est un simulateur Seconde Guerre mondiale qui représente la bataille d'Angleterre qui est sortie en 2011, en avril 2011 plus exactement. Et donc dont le développement a été abandonné à peu près un an plus tard. Donc le soft a été repris par un groupe de modeurs qu'on appelait la Team Fusion et qui ont modé le jeu pour le rendre utilisable. Et actuellement, ils sont en train de travailler sur une deuxième version du jeu, donc avec un nouveau théâtre, de nouveaux avions, etc. Donc, grosso modo, ce jeu ne peut pas être utilisé, en ligne en tout cas, sans installer les mods. Alors, j'ai vu pas mal de posts sur les forums ou sur les TS, des questions de la part d'internautes qui demandent comment installer ce fameux patch. Alors, je vais essayer de faire une vidéo qui explique comment installer le patch Team Fusion le plus simplement possible. Donc, avant d'en arriver là, avant d'arriver au patch Team Fusion, ce qu'il faut, c'est déjà installer le jeu. Donc, IL2 Cliffs of Dover. Donc, pour installer IL2 Cliffs of Dover, vous allez sur Steam. Donc, vous lancez Steam. Il faut avoir Steam. Donc, vous êtes sur Steam, vous avez un compte. Donc vous vous connectez sur Steam, vous allez dans la bibliothèque, dans le magasin, vous explorez, vous tapez ici IL2, et vous avez la liste des franchises IL2, là vous avez IL2 1946, IL2 Sturmovik Battle of Stalingrad, IL2 Sturmovik Cliffs of Dover, voilà. Donc vous cliquez sur Cliffs of Dover. Voilà. Bon, évidemment, moi, je l'ai déjà installé. Donc, pour l'installer, vous suivez simplement les étapes normales d'un achat sur Steam. Je pense que pour cette étape, c'est relativement simple. Hein. Je recommence. Donc, IL2. Vous cliquez sur IL2 Sturmovik. Voilà. Et pour ma part, bon, je l'ai déjà acheté. Donc, vous cliquez sur jouer pour jouer. Mais pour vous, Vous suivez les étapes d'un achat d'un jeu sur Steam, tout simplement. À la suite de cette installation, vous allez vous retrouver, donc je vais dans la bibliothèque, vous allez vous retrouver avec ceci. Donc ce jeu installé sur votre PC, avec, voilà, IL2, Sturmovik, Cliffs of Dover. Vous cliquez là pour jouer. Donc, ce qu'il faut, c'est un conseil personnel hein, que je vous donne, c'est de déplacer le dossier du jeu et de le sortir de Steam. Pourquoi ? Parce que Steam a une tendance, certaines fois, à toucher au fichier du jeu. Or, vous allez le modder, donc vous allez le modifier. Et pour ne pas retourner à l'original ou empêcher Steam de toucher à vos fichiers, le mieux, c'est de prendre le dossier du jeu et de le déplacer. Donc, pour ce faire, rien de plus simple. Vous faites un clic droit sur le nom du jeu ici. Propriétés, fichiers locaux, parcourir les fichiers du jeu, et là vous vous retrouvez dans cette arborescence. Donc ça c'est votre disque dur, Steam, Steam Apps, Common, et IL2, Sturmovik, Cliffs of Dover. Ça, c'est le dossier du jeu. Donc si je clique sur Common, je me retrouve avec ce dossier, IL2, Sturmovik, Cliffs of Dover. Vous prenez ce dossier, et vous le collez dans un autre disque dur, ou dans un autre emplacement, hors de Steam, le jeu fonctionnera parfaitement normalement, donc ça pèse 12,7 Go, vous allez le déplacer, et il fonctionnera normalement. Donc vous ouvrez le dossier, et vous le lancez avec ce petit fichier, qui s'appelle launcher.exe. Donc vous copiez ce dossier, entièrement, et vous le mettez ailleurs. Comme je l'ai expliqué à l'instant, c'est pour empêcher Steam de le modifier.
Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape, on va fermer Steam. Deuxième étape, c'est d'aller télécharger le patch TeamFusion. Alors, pour aller télécharger le patch TeamFusion, rien de plus simple, vous ouvrez votre navigateur et vous allez sur ce site. Ici, je mettrai le lien de ce site dans la description de la vidéo. Ce site s'appelle ATAG, A-T-A-G, Air Tactical Assault Group. C'est un petit peu le rendez-vous des amoureux de Cliffs of Dover sur le net. Sur ce forum, vous allez trouver, bon, forum anglophone évidemment, donc vous allez trouver beaucoup d'informations concernant IL2 Cliffs of Dover. Vous allez trouver des manuels de vol, des astuces, des escadrilles, tout ce dont vous avez besoin pour bien commencer avec Cliffs of Dover, vous allez le trouver sur ce forum. C'est vraiment là qu'il faut aller pour tout apprendre sur Clodo. C'est comme ça qu'on appelle dans la communauté francophone Cliffs of Dover. Donc vous allez cliquer ici. Ici, sur ce, c'est marqué Team Fusion Mode. Vous cliquez là, paf. Et vous vous retrouvez sur cette page, Team Fusion Mode Downloads. Et là, vous téléchargez le dernier lien qui se trouve ici, qui s'appelle All Patches in One File 64-bit Windows Zip Program Needed. Donc, Zip Program, ça peut être WinZip, ça peut être 7-Zip, ça peut être WinRAR. Personnellement, j'utilise WinRAR, ça fonctionne très bien. Donc, vous cliquez sur ce lien. Confirmation, c'est un fichier qui s'appelle all.zip. Vous le téléchargez, comme ça. Bon, moi je vais arrêter le téléchargement. Vu que je l'ai déjà téléchargé, ça prend un certain temps puisque le site n'est pas très rapide, donc ça prend selon les connexions, disons une demi-heure à une heure à peu près pour télécharger les 3,2 gigabits qui constituent les différents patchs de la TeamFusion. Une fois que vous les avez installés, téléchargés, pardon, vous allez sur donc votre dossier de téléchargement. Le mien se trouve ici. Peut-être ici. Oui, c'est là. Donc, vous allez vous retrouver avec ce petit dossier ici. Donc, vous double-cliquez dessus. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 fichiers. La première étape, c'est de prendre ce fichier et de l'extraire. Vous faites extraire ici. J'utilise WinRAR, mais c'est exactement la même chose pour les autres logiciels de compression. Ça prend un certain temps, ça dépend de votre processeur. Et vous allez vous retrouver avec plusieurs installations. Voilà, on arrive presque au bout. Voilà, c'est fini. Une fois que vous avez tout téléchargé, que vous avez tout décompressé dans n'importe quel dossier, vous allez vous retrouver avec cette série de fichiers. Le premier à installer, c'est celui-là. Mod installer TF plus 3.0. Bon, c'est très logique, hein. Donc vous commencez par le 3.0, après le 3.0.1, après vous installez le 4.0, après vous installez le 4.3, et pour finir, le 4.3.12. Ça a l'air, je pense, assez logique pour le moment. Ce sont des auto-extractibles, donc vous, par exemple pour le 3, on va essayer le 3, vous double-cliquez dessus, vous avez un mode installeur, hop, on double-clique, et ça s'installe tout simplement comme ça. C'est-à-dire, vous indiquez simplement le chemin d'accès
du jeu. Par défaut, c'est toujours Steam, Steam Apps, Common, IL de Stormovie, Cliffs of Dover. C'est le même chemin d'accès qu'on a vu tout à l'heure dans Steam. Mais comme je vous l'ai conseillé, il vaut mieux sortir le jeu de Steam. Donc ce dossier, ici-là, va se trouver ailleurs. Donc vous allez faire parcourir et vous allez chercher le dossier que vous avez copié tout à l'heure. Alors dans mon cas, personnellement, il est sur le disque dur G, hop, et il est là. IL2, Stormovie, Cliffs of Dover. Vous cliquez dessus, ici, vous faites OK. Évidemment, ce n'est qu'un exemple. Donc ça va être quelque chose du genre G, deux points, slash, IL2 Cliffs of Dover, et vous faites Install. Là, je ne vais pas le faire puisque chez moi, c'est déjà fait. Vous cliquez là, il y a une partie de... un curseur qui va apparaître. À la fin, ça vous donnera la confirmation que c'est fini. Vous fermez et vous passez au suivant, c'est-à-dire le 301. Double-clic dessus, double-clic, exécuter, et c'est toujours la même histoire. Une fenêtre apparaît. Voilà. Et cette fenêtre vous demande le chemin d'accès du jeu. Vous faites la même chose. On clique sur parcourir. On va chercher le jeu qui se trouve donc hors de Steam. Ici. Voilà. OK. Et le même chemin d'accès que tout à l'heure. Et install. Et ainsi de suite. La même chose pour la 4.0, la même chose pour la 4.3 et la même chose pour la 4.3.12. Sachant que le 4.3 peut être des fois détecté par votre antivirus comme étant un virus. Pour empêcher votre antivirus de vous poser des problèmes, vous allez, bon moi j'ai Avira, donc c'est la même chose pour tous les antivirus, vous faites un clic droit sur l'icône de votre antivirus et vous cliquez sur activer la protection temps réel, hop. Vous désactivez cette protection. Dans le cas d'Avira, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire, même en activant la protection de l'antivirus, les modes s'installent parfaitement sans aucun problème. Alors, à la fin de l'installation, vous allez vous retrouver avec ce fichier. Vous allez dans... Alors, il faut savoir une chose. IL2 Cliffs of Dover se décompose en deux parties. Le jeu proprement dit se trouve là-dedans. Donc, dans le dossier IL2 Cliffs of, Sturmovik Cliffs of Dover. Les données du jeu se trouvent là. Par contre, vos données personnelles, c'est-à-dire vos configurations de touches, vos paramètres personnels, vont se trouver plutôt ici, dans C, Utilisateur, votre nom. Et documents. Voilà. C'est dans ce dossier-là que vous allez trouver un dossier qui s'appelle 1C Soft Club. Vous rentrez dedans, et là vous allez avoir deux dossiers. Un qui s'appelle IL2 Sturmovik Cliffs of Dover, qui ne nous intéresse plus, puisque ce sont les données personnelles du jeu Vanilla, c'est-à-dire du jeu de base, qu'on n'utilise pas. Vos données personnelles se trouveront dans ce fichier. Pardon, dans ce dossier, IL2 Sturmovik Cliffs of Dover mode. Vous rentrez dedans et vous allez avoir toutes vos données personnelles, vos configurations de touches, le conf, c'est-à-dire toutes les configurations graphiques, etc. Et vous avez ce dossier qui s'appelle cache. Vous rentrez dedans et ce dossier conserve les fichiers temporaires du jeu. Vous pouvez le supprimer, vous sélectionnez tous les dossiers et tous les fichiers et vous les supprimez. Voilà. Et là, vous êtes paré. Pour lancer le jeu, rien de plus simple. Le mieux, c'est de créer un raccourci sur le bureau, comme ce que je viens de faire. Mais en attendant, vous pouvez aller chercher votre dossier IL2 Sturmovik Cliffs of Dover, launcher.exe, vous double-cliquez dessus. Et le jeu se lance. Alors, il y a un petit temps d'attente en général.
Et lorsque vous voyez le mot mode apparaître sur l'icône du jeu, cela signifie que c'est bon, le jeu est modé. Mais pour avoir la confirmation, c'est vraiment lorsque vous êtes carrément dans l'écran d'accueil du jeu que vous pouvez avoir la confirmation que le jeu est modé. Voilà, vous allez avoir en bas à droite de l'écran, ici, version Team Fusion version 4.3.12. Voilà. Et là, vous êtes modé, vous êtes prêt à aller sur serveur. Vous aurez remarqué que le jeu, mon jeu en tout cas, est en anglais. Pourquoi? Parce que la traduction francophone de Yeldecliffe Softover a été très mal faite. Donc, vous allez vous retrouver avec des incohérences, des messages en vol qui sont faux. Le jeu, par contre, le jeu anglais, de la version anglaise, a été bien traduite. J'imagine que le jeu a été fait en russe à la base. Et donc, c'est pour ça que j'utilise la version anglaise. Donc, pour aller... je vous fais un topo rapide. Hein, donc, il y a single player. Ça, c'est les modes de jeu solo. Vous avez les entraînements, les missions rapides, les missions solo. Les Team Fusion campagnes, ça, ce sont des campagnes auto-générées. La campagne du jeu. Si vous aimez voler solo, vous avez une campagne britannique où vous incarnez un pilote britannique. Vous avez une campagne allemande où vous incarnez un pilote allemand. Je retourne au menu principal. Il est très important de configurer le jeu graphiquement. Donc vous allez dans Options, Vidéo. Et là, c'est très important de choisir ici la résolution native de votre écran. Dans mon cas, un écran Full HD, 1920x1080, rafraîchi à 120 Hz, donc 120 images par seconde. Vous activez le full screen pour avoir l'image donc en plein écran. Vous activez l'anti-aliasing, ça vous évitera d'avoir un effet d'escalier. Vous désactivez absolument l'anti-épilepsie filter. Vous activez le SSAO et la synchro verticale, pour ceux qui le désirent. Hein. Maintenant, c'est à votre convenance. Et vous choisissez les différentes options de qualité d'affichage. Alors, il faut savoir que pour une configuration standard, c'est-à-dire un PC relativement puissant, vous pouvez tout mettre sur high et original, c'est-à-dire pratiquement tout mettre à fond et tout activer. Normalement, ça ne pose pas de problème. Vous confirmez. Vous allez après dans les options de réalisme. Vous décochez toute cette partie aircraft switching, vous décochez toutes ces switches, parce que si vous les activez, ça vous empêchera de spawner facilement sur les serveurs. Et dans main, vous allez désactiver anthropomorphic control, car cette option comporte quelques bugs, elle va vous empêcher d'utiliser certains contrôles pendant le vol. Donc vous le désactivez. Et vous faites OK. On retourne au menu principal et normalement pour lancer une session de jeu, vous allez bon pour commencer, moi je conseille d'aller dans single player, single mission, pardon, quick mission et choisir ce vol-ci, celui-là, cross country. Pourquoi? Parce que vous êtes au sol en bout de piste, donc ça vous entraînera à décoller. Les autres, pour la plupart, ce sont des départs en vol. Donc vous ne décollez pas en fait. Voilà. Je quitte le jeu et on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et je vous souhaite bon vol sur IL2 Cliffs of Dover. Et n'hésitez pas à nous rejoindre hein, sur TS. Ou sur le TS de Storm of War, si cela vous intéresse de voler sur Cliffs of Dover, c'est un groupement d'escadrilles
Vous allez trouver plein de gens très sympathiques qui vont vous donner un coup de main pour configurer le jeu si jamais vous en avez besoin. Je mettrai aussi le lien de Storm of War dans la description de la vidéo. Amis internautes, merci à vous et à bientôt.